Bonjour et bienvenue aux amis taureaux pour cette vidéo là qui nous j'avais vraiment envie de vous faire là pour l'amour, les célibataires et aussi les couples et les triangulaires, hein. On va aller voir un peu tout le monde, comment ça se passe, mais j'avais vraiment envie de vous préparer cette série de vidéos. Alors amis taureaux, pour le mois de mai 2023, je vous souhaite un excellent anniversaire, bien évidemment. Et puis on va aller voir dans les cartes ce qu'il se passe sur un aspect relationnel, sentimental, amoureux. On va commencer par ce tarot, le tarot de l'amour. Ensuite, on ira voir dans un oracle, un normand, la Sibylle des Salons. On ira voir dans celui-ci pour les couples ou les triangulaires. On ira chercher une carte message dans le petit oracle de la tatou-thérapie. Et puis, on regardera dans ce livre oracle, les messages de l'univers. On ira chercher un message. Je vous poserai peut-être une question, ami taureau, et vous regarderez la réponse, en tout cas le message qui vous est adressé pour ce mois de mai sur un aspect relationnel. Alors, on y va, c'est parti. Ami taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va aller voir dans ce tarot ce qu'il se passe pour vous. Dans un domaine amoureux, on va regarder. On va faire une coupe. Ouf, on nous parle de l'éclair. Oh, bah les taureaux ici. Alors, on a la carte de l'éclair et la carte ici des morts. Celle-ci, elle est au pluriel. Parce que c'est un tarot de l'amour, donc on pense à deux. Eh bien, ici, les taureaux, ça sent le coup de foudre à plein nez pour les célibataires. Parce qu'avoir une tour avec les morts, ici, vous allez vous jeter à l'eau. Cette carte des mains nous parle vraiment, il y a un commencement, il y a quelque chose. On met fin à un célibat ici, chez les taureaux, au mois de mai, et moi, je m'en félicite. Parce que je suis tout comme vous, hein. Rassurez-vous, je ne suis pas faite autrement. Donc ici, il y a vraiment un coup de foudre, et derrière, on a un 6 de bâton. Ouh, regardez-moi ça. Derrière, on a une roue de fortune. Bon, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce chez vous, ami taureau. Cette roue de fortune qui va tourner et avec un 6 de bâton. Le 6 de bâton va parler de reconnaissance, de récompense ici. Avec le fait de se jeter à l'eau, vous allez voir que vous avez. Et on vous présente exactement le partenaire idéal, ami taureau, au mois de mai. Et vraiment, je suis heureuse. Derrière cette tour, qu'est-ce qu'on a? On a un as de bâton et un 7 de bâton. Non, mais avec un 4 de bâton derrière. Bon. Donc, la tour, l'as de bâton, le 7 de bâton, ici, ami taureau. Un coup de foudre vous attend. Cet as de bâton, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment une impulsion, l'étincelle qui va faire exploser cette tour. Et à côté, avoir un 7 de bâton, ça veut dire que vous êtes en position de force. Là, il y a vraiment quelque chose là, qui va vous permettre, ami taureau, de faire une rencontre, mais du tonnerre. Moi, je vous le dis. Allez, on va mélanger ce jeu et on va aller chercher les cartes. On va aller voir ce qu'il se passe pour vous, ami taureau, ascendant taureau, votre mois d'anniversaire. Alors, eh ben ça commence bien, on a une reine de pentacle. On est bien chez vous, hein. Reine de pentacle. Princesse d'éclair, la transformation et le monde. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, là, les taureaux. Il y a du. Vraiment, il y a de la rencontre et du couple dans l'air. C'est un mois exceptionnel. Pour vous, amis taureaux, il y a vraiment ici cette reine de pentacle nous dit bien, nous rappelle qu'on est chez vous. Et là, il y a quelque chose de gagnant-gagnant. Ici, on rencontre quelqu'un où on a beaucoup, beaucoup de notions de partage, d'intérêt commun. Il y a vraiment ici, dans celle-ci, un donner-recevoir qui est exceptionnel. Hein, moi, je vous le dis, hein, les taureaux. Hein. Cette reine de pentacle, elle est. Elle s'assure une vie à deux exceptionnelle. Derrière, on a la princesse des éclairs. Celle-ci, elle va aller de. Il y a des idées là qui vous traversent l'esprit, ami taureau. Et cette rencontre que vous faites
va vous amener avec des projets, mais alors vous avez des projets plein la tête ici, c'est vraiment ce que ça nous dit. Bon, la transformation, la mort. Ici, on est sur un mois de mai exceptionnel pour vous, puisqu'on est à la rentrée de. On est à l'arrivée de Jupiter hein, chez les taureaux. Donc là, il y a de la transformation qui est à l'œuvre. On a un Pluton en Verseau, enfin bref. Vous allez lâcher quelque chose, ami taureau. Vous allez vous libérer définitivement d'un carcan. Mais là, il y a quelque chose de magnifique. C'est ce que vous faites depuis des mois. Vous vous libérez petit à petit de choses. Et là, le mois de mai va être révélateur. Je vous rappelle quand même qu'on a cette pleine lune là au mois de mai en scorpion. La pleine lune en scorpion pour vous, ami taureau, elle est, mais dans le sens, dans le genre transformation, on a rarement vu mieux. Parce que derrière, regardez ce que vous avez. Vous avez le monde. Le monde ici nous dit bien que vous clôturez un cycle. Vous fermez la porte à beaucoup de choses ici, les taureaux, pour vous ouvrir à un nouvel amour. Franchement, là, je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez un tirage exceptionnel. Je ne peux pas vous dire mieux. Bon, là, les taureaux, si vous me ratez ce truc-là, moi, je vous préviens, ça va barder. Ici, on a un 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, lui, va nous parler d'amélioration de vie au quotidien. Il va nous parler de confort, de raffinement, de luxe, de quelque chose de. Mais il y a beaucoup d'art dans cette carte. C'est vraiment là, vous plantez vos deniers. Regarde, oh non, non, puis derrière. Regardez cette carte, on se tient la main. Et sur cette colline, on a planté ses deniers. Ici, regardez ce qu'il y a derrière. L'as de l'éclair. Autant vous dire que là, c'est du succès qui vous attend. Et le 3 de bâton, lui, nous dit que là, vous allez vous commencer à tirer vos plans. Le 3 de bâton, lui, il vous projette dans un avenir. Vous voyez très, très loin ici avec votre partenaire. En tout cas, ce nouveau partenaire ici. Et derrière, regardez ce qu'on a. Le prince des fleurs. Ou le page de coupe. Ben là, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les taureaux? Vous avez un mois splendide. Et en amour, c'est tout pareil. Donc là, je vous le dis, les célibataires, vous êtes sur une période magnifique. Allez, on va aller voir ici pour vous, les taureaux qui êtes en couple ou en triangulaire. On va aller voir ce que ça nous dit. Attendez, c'était quoi la coupe? On a la visite et la maison de ville. Alors, ici, peut-être que vous vendez votre maison ou alors vous allez préparer un déménagement parce que là, on visite. Il y a des visites. Alors, ça peut annoncer des gens qui viennent vous voir. Mais ça peut me parler aussi de visite d'appartement ou de maison. Peut-être qu'on a envie de déménager ici. Avec la maison de ville, souvent, ça parle de ça. Alors, on va aller chercher parce que cet oracle, les cartes ne tombent pas facilement. Alors, la première carte, on a le voleur. Alors, la Sibylle des salons, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouf, on a une méchante femme. Oui, elle est pas belle celle-là. Elle est vraiment pas belle. On a la méchante femme, le retard. Il y a peut-être des taureaux qui ont été trahis là. Hein. On a une brune. Là, on pourrait parler d'une trahison, d'une triangulaire. Oh, on a de l'amour quand même, les taureaux. Ça, c'est beau. Et là, le 2 de deck nous parle des joueurs. Alors ici, on s'amuse hein, chez les taureaux, ou alors peut-être qu'ici, au mois de mai, on butine, hein, on s'amuse, on butine, parce que regardez, quand je vois le voleur ici avec la femme méchante, regardez, elle n'est pas belle celle-là. Voyez, il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire ici, c'est possible. Et on pourrait avoir peur d'un début d'une triangulaire. Ou alors, on vous envie peut-être, hein, les taureaux, hein, ceux qui sont en couple. Derrière la carte du retard, nous parle de quelqu'un qui revient. Voyez, si c'est une femme qui tourne autour de votre mari, imaginons, on va poser les choses clairement.
Si on a une femme qui tourne autour de votre mari ici, c'est une ex qui revient, ami taureau. Ou un ex, adapté, hein, on est dans du général. Ou alors, cette femme méchante avec la carte du voleur, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous en veut, ami taureau. C'est peut-être quelqu'un dans votre cercle d'amis ou cercle familial. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous en veut ou qui vous fait du mal. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui revient, qui était déjà connu pour ça, hein, dans votre entourage. Et derrière, on a la brune. Donc là, il y a... Moi, ça me parle des taureaux, là, en couple et en triangulaire, où là, il y a des choses qui se règlent. Ça barde, hein. Moi, je vous le dis, ça barde chez les taureaux ce mois-ci. Mais de toute façon, soyez certains et certaines qu'ici, vous êtes... On est bien aimés, les taureaux, vous êtes aimés, hein. Vous êtes aimés, mais là, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci au mois de mai, si vous êtes en couple. Qu'est-ce qu'on a derrière les voleurs? On a la maison de campagne, la mort, et l'homme de loi. Alors, les joueurs, la maison de campagne et la mort. Bon, ici, il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Et peut-être que là, vous allez, on va se calmer et se détendre chez les taureaux. Peut-être qu'ici, vous souhaitez vraiment mettre fin à quelque chose qui vous fait mal, hein, parce que l'homme de loi pourrait, lui, nous parler d'une situation qui va vraiment... On va se rendre... Ou alors, la justice est faite, ou alors on fait justice soi-même et on va voir cette personne-là. Et on a un règlement de compte, c'est possible. C'est peut-être, il y a peut-être une dispute. Quand je parle de règlement de compte, je parle de dispute. Et on remet les choses à plat et on y va avec beaucoup de franchise. Enfin, vous les taureaux, vous êtes France, vous êtes des personnes franches. Donc, à mon avis, ici, on est en présence de taureaux qui vont en couple ou en triangulaire, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Allez, on va aller voir dans ce petit oracle de la tatou-thérapie, on va aller chercher un message. Alors, petit oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tatou. On a un message. Alors, on a... Le message nous parle de la jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien. Voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité. Laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Quand je vous dis que là où il y a un bon coup de frais, mais chez les célibataires, les taureaux, je vous promets que l'œil, vous avez un tirage des plus exceptionnels. Je serais curieuse de vous lire, hein, mais là, ne me ratez pas cette opportunité, là, les taureaux. Hein. Allez, on va aller voir dans ce livre, dans ces messages. On va aller chercher un message pour vous, amis taureaux, donc ascendant taureau, signe lunaire, ou encore. Vénus en taureau, on va aller voir si, ce que ce livre a à nous donner comme message. Vous pouvez aussi vous poser une question. Hein. Ce message est une confirmation que la page qui vient de se tourner te permettra de passer au niveau supérieur de ta vie. Ça ne s'invente pas. Ami taureau, vous êtes en train de prendre un tournant. Dans votre vie sentimentale, amoureuse, il y a quelque chose de beau là qui se prépare. Moi, je le dis. Là, c'est vraiment, ce ne sont que de bonnes nouvelles pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple ou en triangulaire. Ici, en couple et en triangulaire, vous allez faire du tri, vous allez faire du ménage et vous allez très certainement mettre un coup de poing sur la table ou poser vos jalons, mais vous allez le faire. Et là, dans le seul but de retrouver une harmonie dans votre couple. Et c'est le plus important pour vous, ça. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai, ami taureau. Et encore une fois, je vous souhaite un joyeux anniversaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je ne sais plus parler tellement c'est subjuguant ce tirage. Hein, je vous promets. Plus je le regarde, plus il est vraiment, il pulse beaucoup dans l'amour. Hein. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.